Bon, du coup, on revient à quel moment? Ah, c'est bien, on va avoir un petit résumé. Bonne nuit, sombre lame. Bisous. の復旧作業中です。データベース上で不正な情報が増殖しているんです。不正な情報？それってパラドックスの影響か？そう考えています。このままではネットワーク全体が汚染されてしまいます。何か手伝えることはありませんか？あります。パラドックスは地形図のデータを中心に広がってるんです。正しい地図データに差し替えれば汚染は止まるんですけど。正しいデータが手に入らない？ そうなんです。必要なのは誰かが実際に歩いて確かめた地図。到達度 100% のエリアマップですね。 Ah oui, tu peux accepter plusieurs quêtes en même temps aussi. Ah, j'ai modifié un truc là sur le stream aussi, normalement ça devrait tourner encore mieux. Voilà.
Ouais, c'est un poil plus fluide. Au moins, le FPS est constant. Tu sers à rien, petit mug. T'es nul à chier. Après, je sais pas du tout comment ça rend sur le stream, en plus avec la pluie et tout. C'était un piège. Ah, Kobold Alpha. Mais ils viennent d'où les monstres? Tu veux dire que c'est les monstres d'en dessous qui m'attaquent? Ça n'a pas de sens. Voilà, c'est bien fluide, c'est agréable à jouer, c'est cool. Elle a pas attaqué. Mais quel bâtard. Voilà. Oh.
Putain, j'ai tellement de stats que je les défonce. Ça devrait être interdit. Kousanda, mudana teiko wa yameru kara. Kao gurai misete kure. Kaias! Koufuku to misekakete, jikan kasegi ka. Aanii na saku da na. Shimatsu suru kachi mo nai daro. Ina, kimi tachi wa teki. Toki no mujun sono mono da. Kiete morawa nakereba naranai. 200 君たちは封印された歴史を知り、あの塔で葬られた。だが、再び私の前に姿を現した。これがパラドックスでなくて何だというのだ。塔とか、封印された歴史とか、何のこと？もしかして、これから起きることなの？あり得る。俺たちはこれから200年前に行って、カイアスに会うのか。殺されるつもりはないけどな。間違いなく同一こと。歪みが生んだ逆説か。あんたらしくないな。俺たちが邪魔ならどうして自分で手を下さない。犠牲が大きければ罪の重さを実感できる。だからあれの力を借りた。セラ、ah, ce thème quoi. Comment ça, Omega? Attends, il va pas y avoir l'alarme à l'infini. Arrêtez de mettre des alarmes dans les jeux vidéo. C'est de la merde. Oh l'enfer. À cause de nous, des gens sont morts. Enfin, ils sont transformés en 6, mais... En 6. Je sais pas comment ça se dit, ça. Je crois que personne ne sait comment ça se dit. À part le mec qui l'a inventé, mais... どうしても俺たちがパラドクスってことにしたいらしいな。そう、
この惨劇を止めるには君たちが消えるほかない。あ、ウェイ、あいつ捕まえて全部吐かせてやる。慎重にね、焦ったら見失っちゃうよ。進もう。真の歴史を知った者は逃がしはしない。真の歴史って一体何だ。過去の世界で何かあって私たちは敵だと思ってるんだよね。だったら過去に行けば分かるはず。200年前のどこかの塔か。ゲートを探してこの目で確かめてみるか。もしかしてこの先にゲートがあるとか。足を壊して道を塞いだつもりか。先に進む方法はまだある。Ah, je termine pas dans mon coin, je suis en train de streamer. Non, c'est pas la fin du jeu, là, il reste encore... On est à la bonne moitié, je pense. Et comment tu vas, François? Insomnie? Bon, j'ai trouvé un moyen de faire fonctionner correctement le jeu. En plus, là, du coup, pour l'encodage du stream, je suis passé sur mon CPU. Et en fait, je me rends compte que mon CPU ramait. Bon, de toute façon, je vais le changer, hein. J'ai commandé les trucs, maintenant c'est trop tard, mais... parce que j'avais mis des paramètres d'encodage un peu élevés en fait. C'est pour ça qu'il était en PLS mon CPU. Donc là ça va mieux. Et là comme du coup la carte graphique est pas sollicitée par le stream, juste par le jeu, ça tourne mieux. Ça tourne pas mal. Et donc pas d'explication, mais quand même explication. Ça tourne bien, explication. Il y avait son brolame qui était là juste avant, là. Tu vois dans le chat de toute façon. À la banane. Il est parti il y a un petit quart d'heure maintenant. Ah non, mais c'est ça, j'avais juste pas fait gaffe qu'en fait dans les paramètres par défaut, il était en faster et pas en very fast. Il était même en fast, tout court. Donc c'est pour ça mon CPU il galérait derrière. Donc forcément bah le jeu était lent aussi quoi. Là ça va, c'est bon. Puis en plus même j'ai modifié des paramètres sur Nvidia. Pour que le jeu soit encore plus optimisé, parce qu'il est optimisé avec le cul sur PC. Par contre, Lightning Returns, il tourne impec. Je l'ai testé, il est fluide. Aucun souci. Même pendant les combats, tu vois. Donc, et heureusement, parce que les combats de Lightning Returns, ça demande encore plus de réflexes. Parce que c'est du... C'est du actif, donc... Enfin, c'est à mi-chemin entre du...
du action RPG et le système de FF13 et FF13-2 quoi. Bah non, c'est pas chelou en soi parce que faut se rappeler que c'est un portage, c'est pas le jeu d'origine. Donc vu que le portage de Lightning Returns est plus récent et que le jeu lui aussi est moins gourmand, parce que hein, il est beaucoup plus optimisé FF13 Lightning Returns. Il est arrivé pas en fin de PS3 mais quand même bien voilà. Et il est beaucoup moins gourmand que les deux autres. Le 13 est hyper gourmand. Ça c'est un fait indéniable. Le 13-2, c'est à peu près pareil. Mais ouais, le 13-3 par contre il est grave optimisé. Il tourne super bien. Et c'est pour ça qu'il est moins beau aussi. Après sur PC la différence devrait moins se voir, mais en tout cas ouais il est moins beau que les deux autres hein, le 3. Ça se voit surtout sur le modeling game de Lightning normalement. Mais ouais, pendant les combats c'est pas tout à fait fluide non plus, mais c'est plus fluide que cet après-midi, c'est sûr. Et en dehors des combats c'est nickel. Et tu vois, il y a des petites remontées de framerate, etc. Quand j'aurai changé de CPU, ce sera nickel, mais il faudra que je vois parce que j'ai pas fait gaffe, mais il y a d'autres topics sur Steam où il y a des mecs genre optimiser le jeu, etc. J'ai vu ça. Ah, je vais en ligne droite parce que... De toute façon, mes persos, ils sont quand même vachement forts par rapport à là où j'en suis dans le jeu. Putain, je me souviens... Comme je savais pas bien optimiser mes persos à l'époque, quand je l'ai fait... Pourtant, je l'ai fait en... Je l'ai platiné et tout. Hein. Je sais pas comment j'ai fait parce que clairement, mes persos étaient vraiment pas opti. Mais là, je roule sur le jeu maintenant. Quand tu optimises bien tes persos, t'as des stats complètement craqués, le jeu, tu roules dessus. Hein. Ah oui, non mais clairement, hein, Lightning Returns, il a pas été fait à l'arrache, mais c'était un petit jeu, enfin un petit jeu, en mode, faut finir de rentabiliser le moteur quoi. Quoi ça, exaltation? Recherche légèrement la joue de STB à chaque attaque sur un ennemi en état de choc. Ah! Vigueur. Augmente la force et la magie quand les PV sont élevés. Ah, ça c'est bien ça.
Bon allez, normalement ça va le faire. Là si je me souviens bien, il y a le boss. Et ce boss là est relou. Non, c'est pas encore tout de suite, mais c'est après. Ah, le switch est beaucoup mieux. Ça va, ça va. Là, j'ai signé mon contrat hier. Que je l'ai reçu. Par contre demain faudra que je leur demande à quelle heure je commence lundi, parce que pour que je sache quand est-ce que je vais au boulot. Et alors je reçois mon toujours en CDD hein. Je fais des remplacements. Je reçois mon nouveau processeur. Là, j'ai reçu ma motherboard qui est là. J'ai la pâte thermique aussi. Parce que j'ai commandé de la pâte thermique pour mettre. Parce que je suis pas sûr qu'il y en ait fourni avec le Proco. Je vais recevoir normalement les RAM lundi et le processeur mardi. Cositus. Ouais, bah faudra pas forcément tout, mais parce que je change pas de disque dur, donc ça c'est pas un souci, mais. Faudra réinstaller le BIOS, ouais. Mais ça, j'ai déjà fait l'autre fois quand j'avais. Parce que j'ai déjà changé de carte mère, donc c'est. Juste à refaire, quoi, c'est pas. Normalement, ça devrait tourner tout seul, faudra juste que je réinstalle les. Les pilotes du BIOS. Ah ouais, ça fera que la deuxième fois, mais l'autre fois c'était ouais c'était SDA qui me l'avait changé, mais. Putain, je lui ai roulé dessus. Oh. Oh ! Ah oui, c'est lui le monstre aux plantes. Il va lui casser la gueule ! Zenobi. Cinq Tulu.
Voilà, ça rame parce qu'il y a beaucoup de trucs à afficher. Do it, do it, do it, do it. Allez, j'envoie la sauce. Jumez tout. Mets-moi tout dans le fond. Non, j'allais te bourrer. Oh, le bâtard. Putain, j'aurais dû le finir. J'aurais pas dû attendre que mon... Oh le con, le con, le con. Il était foutu. C'en était fini de lui. Ah là, il avait toutes les cartes en main, mais ça c'est la peur de gagner, ça. Ah, mais il y en a combien des Devs de Tentacle là? Et dire que je m'étais fait démonter par lui la première fois que j'avais combattu. Mais ça s'arrête un jour son truc ou pas? Bon, Xenobit là. Oh là là, 3 heures. Des QTE. Bon, j'ai quand même eu les 5 étoiles. Tout va bien. Nande. Shiga. Mieta no. Watashi ga ikitara toki ga mujun suru. Dakara tte watashi tachi no sei da.
カイアスって人が言った通りだった。私たちがパラドクスを起こしたせいで代わりにユールが。カイアス、彼はここにいない。この町にいないっていうの？ユール、しっかりしろ。私はあなたのユールじゃない。でもありがとう。ありがとうなんて言うなよ。C'est marrant comment ils rajoutent des trucs en anglais. You know what? Mitsubi te kureterunda. Fragment de Xenobite. Thank you.
Ah mais j'ai pas Medic Boost. On va mettre c'est quoi le truc qu'ils disent après? Après c'est B et pour Jean S B2. Bon bah on va faire attaquant puisque c'est le truc que j'aurai plus tard, n'est-ce pas? Les gens, ils ont bobo, je crois. Ah, la pluie, ça doit rendre horrible sur le stream, je suis désolé. Ça rend très joli dans le jeu, mais sur le stream, c'est caca. Ah, artefact de la tour. Ah, la tour. Et c'est bon, les tours dans la saga FF13, je crois qu'ils aiment pas trop. それは時を変えてはならない。それはたくさんの人により悪い運命をもたらす。真実はこの先にある。時読みの掟。残酷な掟。それは誰かが犠牲にならなくちゃいけないってこと。お姉ちゃん。 みんなを助ける方法はどこにもないの?バニー、トス。ビズフ。ゲートをくぐる。未来を変える力を信じて。心の片隅でユールの言葉が引っかかってた。カイアスはこの町にいなかった。もしそうなら、私たちが会ったのは誰? La tour d'Augusta. La tour de Megusta. Les ménestrels du temps jadis chantaient un endroit secret, niché à la frontière entre la vie, la mort, entre l'oubli et l'éternité. Cette alcôve mythique renfermait un palais aux mille amusements. Le personnel de cet établissement fantastique était d'une beauté éblouissante, et son propriétaire était doté d'une aura céleste. Seuls ceux à qui souriait Dame Fortune pouvaient se retrouver devant ces portes légendaires. À présent,
Comme sorti d'un livre pour enfants, ce palais se tient devant Sierra et Noël, les invitant à la découverte. Le casino, l'endroit préféré des petits et des grands. Ah, c'est Xanadu, voilà, c'est passé en Dipiti, c'est Xanadu. ここに辿り着く目的は一つですれ。安心して、邪魔なんてしないから。逸落の宮殿では誰もが平等。幸運という名の女神の下で、賭け事とかよくわからないんだけど。初心者さんには月があるものよ。ここで楽しむには勝ちのコインがいるの。まずは交換所に行ってらっしゃい。じゃあ、楽しんでね。 Un masque de lightning, génial! Ah, il faut absolument que... Oh, il est parfait! Magnifique. Par contre, le truc avec ça, c'était un DLC, si je me souviens bien. Je pense que c'est une manière détournée de me dire il est l'heure d'aller dormir. Donc voilà, des bisous. Moi je vais voir pour essayer d'éviter ces crashs intempestifs, puis pour voir pour optimiser encore plus le jeu, parce que j'ai cru comprendre que sur Steam il y avait des gens qui avaient donné 2-3 astuces. Donc on fait ça, je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous, ciao ciao.